bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, je suis pas complètement maquillée, hein. Le maquillage est en cours, mais je me suis interrompue parce que les enfants se sont réveillés. Donc, voilà, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui lundi. Ouais. Et nous avons un temps grave. Mon Dieu. Ah bon, carrément. Non, on a un super beau soleil, franchement, ça fait du bien. Bah, pourquoi tu ne rentres pas? Du coup. Et moi. Oui, on sait que t'es là, Marceau. Enfin non, les gens ne savaient pas en fait. Bonjour. Oui, nous sommes au petit déjeuner. Il est 10h, hein, je précise. En fait, hier soir, on a regardé un film sur Netflix avec les enfants. Ça s'appelle Tous les garçons que j'ai aimés. À tous les garçons que j'ai aimés. Ah non, j'ai dit tous les. Non, non, c'était à tous les garçons que j'ai aimés. Oui, je sais, mais j'avais oublié le A. Bah, c'était très sympa, c'était une belle histoire. Ouais, j'ai adoré. Bon, c'est un film de James, hein, mais c'était sympa. Et donc, du coup, on a regardé ça jusqu'à au moins 23h. Ouais. 30, je crois. Non, 23h. Les enfants se sont couchés vers 23h20. Et donc, ce matin. Je peux parler? Et donc ce matin, le réveil était pourquoi difficile. Tout le monde s'est levé à 10h. Et regarde mon château, maman. Et maman, regarde mon château. Elle a failli faire maman. Tomber la brique de l'ex. Regarde la brique de l'ex, maman. Il est là. C'est un brillage que tu veux montrer. Ouais, d'accord. Ça fait quoi? Ben, un château. Ah, d'accord. Ah, bah oui, maintenant que tu le dis. Forcément. Bah oui. Bon, du coup, là, on va prendre notre petit déjeuner. Et puis après, bah du coup, je vais aller remettre mon matelas sur. Sur mon. Lit. Alors, je ne sais pas dire un lit, je ne sais pas comment on dit, un transat de jardin. Parce qu'en fait, hier, il a plu, mais... Comme pas possible. Comme pas possible, effectivement. Ah bon? Et le matelas a pris dur, même qu'il était caché, enfin, couvert par le balcon au-dessus, la pluie est arrivée dans le côté. Et... Donc, le matelas était trempé. Donc, il est à peu près sec parce qu'en fin de journée, hier, il a commencé à faire chaud. Et donc, du coup, enfin, à faire chaud. Il a commencé à refaire du soleil. Donc, du coup, je l'ai mis au soleil. Donc, il a séché un petit peu hier, mais je pense que c'était pas suffisant. Donc, je vais le remettre. Je vais le remettre à sécher aujourd'hui. Et puis, peut-être même que j'en profiterai, vu le temps qu'il fait. Après, il fait pas une chaleur insoutenable, hein, mais en tout cas, le soleil est là et ça fait vraiment plaisir. Par contre, ce matin, nous avons un ménage de titan à faire. Non! Et les enfants ont fait un bazar, mais monumental. Je leur ai accordé hier qu'ils s'impriment des coloriages. Moi, j'en ai même pas eu un. Et c'était juste l'horreur. Parce qu'il y en a partout. Donc, ce matin, ça va être rangement. Non. Sauf pour moi. Non. Non, je plaisante, moi aussi, je vais faire du ménage. Mais avant de faire le rangement... Il faut que je tourne la vidéo qui va être publiée aujourd'hui parce que je devais le faire hier soir. Mais comme nous avons regardé un film en famille, je ne me voyais pas faire une vidéo à 23h30 en sachant que j'étais démaquillée et que j'avais encore pas le moral au beau fixe hier. Ça a été même une journée assez compliquée. Mais aujourd'hui, ça va mieux, je vous le dis, puisque... Journée compliquée ? J'ai discuté avec Eric hier, donc on s'est dit des choses qui font du mal, mais qui avaient besoin d'être dites. Et voilà, on repart, lui de son côté, moi du mien. Je pense qu'on avait en fait réciproquement encore des attentes l'un envers l'autre. Et ben, on prend conscience, plus le temps avance, qu'en fait, on ne les comblera jamais, ces attentes-là. Donc voilà, donc on a eu une grande discussion, on a beaucoup parlé aussi. J'ai profité qu'Eric était là parce que je savais qu'en second, il m'aiderait beaucoup pour parler avec Anaïs. Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai fait un château encore. Ah, d'accord, un château avec de la compote. Bref, donc on a discuté avec Anaïs, on a discuté avec Elsa, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Elsa, elle parle pas toujours très gentiment non plus à Anaïs, donc il y avait un petit peu de redressement dans les deux sens. Et on a eu cette conversation, donc il y a eu beaucoup de larmes qui sont
qui ont coulé parce que évidemment le problème de la jalousie, en fait, Anaïs, elle le ressent vraiment et en fait elle s'en sent fautive, elle culpabilise beaucoup, mais comme elle me dit, c'est très difficile pour elle. Mais elle m'en a jamais parlé en même temps, donc si elle m'en parle pas, moi je peux pas le savoir, donc il faut qu'on se dise les choses, c'est important. Et bon, il y a eu des efforts de fait hier, après notre conversation, il y en a eu un peu moins hier soir, mais voilà, j'ai mis les choses au clair, j'ai précisé que bah, les sorties s'en ressentiraient s'il n'y avait pas d'effort vis-à-vis d'Elsa et pas non plus d'effort dans son investissement à la maison. Donc ben, on verra si ça va changer les choses ou pas. On verra ça avec le temps. On va lui laisser aussi un petit peu de temps pour se remettre en question, pour faire les choses. Mais je ne vais pas lui laisser 3 semaines non plus, quoi. Donc voilà, et bien sur ce, nous allons prendre notre petit déjeuner. 7 minutes d'ouverture, c'est déjà pas mal. Et Marceau qui est en train de nous faire une bouillie. Bouillade de bras. Et ben il fait un ta bouche, elle a assez bon. Oui, il s'est fait un chausson aux pommes à la brioche. Oh. Voilà. Mais vu sa tête, ça a l'air bon. Hein. C'est bon? Un Marceau, voilà. C'est bon? Non, c'est pas bon. Non, ma tête, c'est pas bon. Non, mais ton pain au chocolat, là, c'est ton chausson aux pommes, c'est bon. Oui, mais ma tête, Ta tête, elle est parfaite. Bon. Oh, tu es trop beau. Tout le monde le dit que tu es trop beau. Ouais, je suis trop beau, moi. Oui, bah ça va, si tu le sais, c'est le principal. Bref, on va prendre le petit-déj. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Je te filme. Pourquoi? Pour mettre dans mon blog. Ça, la tête, elle va finir dedans. À quel point t'es précieuse avec moi. Non, tu y étais pas du tout. Là, tu y es maintenant. Ah mince. Bah, c'est toi qui t'es. Mes pieds, là-bas. C'est toi qui. Voilà. Mais c'est mes pieds. Meurs. T'as trop mal, Léon. Je sais pas. Attends. Ah, bah, là. Je vais mettre de la musique. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Il a vu la Nintendo Switch, il en veut plus. Moi j'ai envie de prendre bien moi. Ah oui mais non, ça va aller. Maman, ça va aller. J'aimerais bien voir ça. Maman, j'aimerais bien voir ça. Voilà, pour vous situer le contexte, en fait, ils ont trouvé dans le garage. Baisse la musique, Elsa, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ils ont trouvé dans le garage un bac avec des prospectus dedans, puisque avant j'avais pas d'autocollant stop put sur la machine à laver. Sur la boîte aux lettres, pardon. Et en fait, je stockais tout dans l'attente de les emmener à la déchette, sauf que je les ai pas emmenés. Ils ont trouvé en fait les catalogues de Noël de l'année dernière que j'avais jetés. Et donc depuis tout à l'heure, ils regardent les catalogues de Noël. Alors on a Côme qui fait des dessins sur une table de goûter pas débarrassée. Oui, bien sûr. Elsa, comme d'hab, sur son tel, Anaïs, la même. Et puis Adam et Marceau, eux, c'est les catalogues de Noël. Voilà. C'est l'occupation du jour. Jusque-là, ça les rendait calmes, mais là, je crois que la Nintendo Switch, elle a fait son effet. Qu'est-ce qui t'arrive, Marceau? Qu'est-ce qui t'arrive? Je laisse ce livre-là. Mais t'en prends un autre, il y en a plein. Où est-ce qu'il y a la Nintendo? Mais non, mais c'était ça, maman. Nintendo Switch, 292 euros. J'ai à voir. Non, maman, il y a 300. Mais sinon, l'unité, c'est à 290. T'as un beau profil, ma chérie. Moi? Oui. J'ai un double menton, surtout, il avait des yeux. Bah écoute, je ne l'avais pas vu, mais je trouve que tu as un joli profil. Merci.
Laurie, elle peut passer 3 secondes. Laurie, arrête jusqu'à 23h. Les 3 secondes, s'il te plaît. Non, non, mais là. On n'a pas la même notion du temps. Non, mais. Elle partira avant les 23h, elle partira même avant de manger. Bah, j'espère, hein, parce qu'à chaque fois, je me sens obligée de l'inviter, alors. C'est chiant. Maman, est-ce que là, tu reconnais Adèle? Bah oui, quand même. Elsa fait une fixette sur Adèle. Depuis tout à l'heure, elle regarde des photos d'Adèle. Elle est fascinée, je crois. Et Marceau, il fait sa colère. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit garçon? C'est quoi ton problème, petit Marceau? Maman, j'ai du sang. T'as du sang, mon amour. Oh là là, montre-moi. Oh non, maman. Non, mais mais quel gros bobo! Tu veux le voir, ton bobo, dans la caméra? Aïe, 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 aïe. Ah, là, par contre, elle est belle. Hein, maman? Là, par contre, elle est belle. Elle était beaucoup moins ronde, aussi. Mais en fait, elle a commencé à être ronde. Après ses chansons. Comment vous dire, il est 18h passé, 18h20 même je crois, et nous n'avons rien fait. Voilà, c'est les vacances. Je suis pourtant pas beaucoup maquillée et j'ai encore des cernes, c'est pas croyable. Hein. On est en train de glander dans le canapé. Alors il y a un bordel phénoménal dans la maison, mais en fait ce matin, ah bon, faut que je te... Non, tu le vois pas le bordel. Il y en a partout. Enfin, je vous le montre en même temps parce que visiblement ça se voit pas. Mais puis ces enfants. Bref, du coup je disais ce matin en fait, je me suis levée à 9h30. J'ai entendu que Marceau était réveillé donc je suis allée le chercher. Et on est descendu, on a pris un petit déj. Du coup après le petit déj, j'ai demandé aux enfants de me laisser un petit peu seule en fait au rez-de-chaussée pour pouvoir tourner ma vidéo que j'ai postée aujourd'hui, qui a occasionné pas mal de commentaires. J'avoue que je suis je sais pas comment vous dire, mais je suis hyper touchée, vraiment, parce que moi je vous ai raconté ça, voilà, c'est ma vie en fait, hein, donc mais vos retours sont tellement, tellement bienveillants, tellement gentils. J'avais peur, en fait. Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais peur de la communauté que j'aurais, en fait. Parce que je me suis... Si j'attire les rageux et que j'ai que des commentaires négatifs, enfin, psychologiquement, je pense que je l'aurais mal vécu. Et en fait, c'est tout le contraire. Vous êtes 1200 sur la chaîne. Et je crois que depuis le mois de janvier, donc ça fait quand même 7 mois, on va dire. En 7 mois, je crois que j'ai dû avoir que 2 commentaires rageux, en fait. Et franchement, c'est tellement bon, vous n'imaginez même pas. Donc pour ça, je voudrais vous remercier parce que vous m'apportez beaucoup, en fait. Vraiment beaucoup. Tous les mails que je reçois, je suis désolée, j'en ai reçu certains auxquels je n'ai même jamais répondu. Je m'en excuse, je les ai encore dans ma boîte mail. Hein. J'y répondrai certainement, mais pas tout de suite. Enfin, ça sera sûrement à la rentrée parce que là, j'ai clairement pas le temps de me poser sur ma boîte mail en ce moment. Mais en tout cas, si en septembre j'ai du temps, je prendrai le temps d'y répondre, je vous le promets. Bon les amis, ce soir j'ai des problèmes d'importation de vidéos, donc je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vous reparlerai un petit peu plus de ma journée du coup d'aujourd'hui dans le vlog de demain si ça veut bien fonctionner. Mais pour l'instant, j'avoue que je comprends pas trop, mais ça marche pas. Donc on verra ça demain. Je vous fais des gros bisous les amis. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour vos commentaires, vos likes, etc. N'hésitez pas à liker celle-ci aussi si elle vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous.